Pia tumemsii bwana gavana ili atusaidie tupeleke maiti kwenye morgue ili baada ya hapo waende mahali ambapo watazikwa kwao. Wanasema kwamba ni mtu wa kiwanja, baada ya kumutia kwenye morgue tutaona namna ya kumrudisha kwao ambao kwenye alitoka ni kiwanja. Watu ngapi wameuawa? Ma information tunazo, wanasema kwamba kumeuawa watu wawili na wengine wamebebwa porini, alafu tutafuatilia kuona namna ya kuona wale majambazi kama ni wanani na wale watu wamebeba wapi. Uko mchaguliwa, ni message gani ya espoir ambayo unaweza tumia population ambayo ilikuchagua? Message ya espoir kwanza ni kusema pole kwa ajili ya wale ambao wanawapata. Pole pole sana kwa jamaa ambazo zimepoteza watu, na tunasema wakwe kalme. Sisi wachaguliwa wao wa Goma tuta www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. C'était vers 20h, 20h juste, nous avons attendu des coups de balle. Nous avons essayé de rapidité, voir qu'est-ce qui se passe. Les voyageurs jeunes ont été mobilisés et ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Alors subitement, on a vu que c'était une nouvelle incursion qui venait de se présenter dans le territoire, surtout ici présentement à Bouéné. Alors, les jeunes ont essayé de poursuivre ce bandit. Le bandit qui venait de tirer sur plusieurs personnes. En tout cas, ils sont venus pour venir tuer les gens. Et ils ont kidnappé des autres. Ils ont, donc, d'autres personnes sont portées disparues. Alors, nous avons essayé de poursuivre ces bandits. Nous avons constaté qu'ils sont venus vraiment tuer les gens et s'en aller. Parce qu'ils n'ont ni demandé ni de l'argent ou d'autres matériels. Dans cette incursion, jusque-là, donc, ce qui est le bilan provisoire, nous avons compté 2 morts. Dont la première personne qui s'appelle Trésor, il est ici. C'est le premier mort, le premier cadavre qui est devant ici, devant nous. Nous avons essayé d'identifier l'autre personne qui était déjà blessée. On a essayé de lui dépêcher vers l'hôpital Sebekan Nocho. Malheureusement, on nous a dit qu'en cours de route, il a succombé par ses blessures. Jusque-là, nous n'avons pas encore bien identifié ceux qui ont été kidnappés, mais au moins, il y a un frère qu'on appelle Azora. Il a été kidnappé. Et on est entre les sources nous disent qu'il y avait d'autres personnes qui ont été kidnappées. Donc pendant à cours de route, on était en train d'emporter des personnes. On ne sait pas qui sont-ils. Et jusque-là, il n'y a pas encore de familles qui sont en train de venir se plaindre pour savoir si réellement qui a été kidnappé et qui n'a pas été. Et qui s'est échappé. Donc jusque-là, on ne sait pas combien. Mais jusque-là, on a identifié une seule personne. Ceux qui ont tiré sur la population étaient vêtus vraiment bizarres. Ils portaient des tenues bizarres, parce que d'autres portaient des tenues militaires, des fardissés, et les autres portaient des tenues policières, d'autres portaient des tenues civiles, mais au moins ils étaient bien armés, ils portaient des armes lourdes, parce que au moins tout le monde qui a écouté le coup de balle, il doit toutefois comprendre que c'était vraiment des armes lourdes. En tout cas, c'est un cas qui semble être régulier. Parce que si vous allez voir les jours passés, on a kidnappé d'autres personnes et tiré sur les autres qui sont morts. Ils ont été enterrés. Le gouvernement n'a rien fait, ni faire la recherche des personnes qui ont été kidnappées. Jusque-là, il n'y a personne qui est rentré. On a au moins 5 personnes qui ont été kidnappées et jusque-là, il n'y a personne qui a été retrouvée. Et voilà d'autres qui sont en train d'être kidnappés. Jusque-là, on ne sait pas si le gouvernement préconise quoi pour voir comment retrouver ces personnes kidnappées. Nous avons constaté que maintenant, nous devons faire des actions de grande envergure. Parce que ce que nous faisons, apparemment, le gouvernement est en train de prendre ça comme plaisanterie. Comment on sera en train de tirer sur les gens et tuer les gens et il y a des personnes qui disent qu'ils sont en train d'assurer notre sécurité? Ça, c'est bizarre. La population est déçue. Seulement chaque fois voir pendant la journée des tenues de police, voir des tenues de militaires, même pendant la soirée on vient tirer sur les gens, on ne voit pas même un policier qui vient intervenir. Ça c'est une chose que nous condamnons, nous le condamnons fermement vraiment. Ndio tunatembea na raia ya Goma ambao wamepata na msiba kwa ajili ya majambazi ambao wameingia katika mgine, na tulienda kuwapatia pole.
pole kwa ajili ya maafa ambayo yametokea. Alafu tumemwambia, tumemsibu na governor ili atusaidie tupeleke maiti kwenye morgue ili baada ya hapo waende mahali ambapo watazikwa kwao. Wanasema kwamba ni mtu wa kiwanja baada ya kumutia kwenye morgue tutaona namna ya kumrudisha kwao ambao kwenye alitoka ni kiwanja. Watu ngapi wameuawa? Ma information tunazo, wanasema kwamba kumeuawa watu wawili na wengine wamebebwa porini. Alafu tutafuatilia kuona namna ya kuona wale majambazi kama ni wanani na wale watu wamebeba wapi. Uko mchaguliwa, ni message gani ya espoir ambayo unaweza tumia population ambayo ilikuchagua? Message ya espoir kwanza ni kusema pole kwa ajili ya wale ambao wanawapata. Pole pole sana kwa jamaa ambazo zimepoteza watu, na tunasema wakwe kalme. Sisi wachaguliwa wao wa Goma tutafanya juu chini ili tupate kugundua ni wanani ambao wanafanya maafa kama na hayo. Kama tunasema people jikalme, sisi kama wachaguliwa tutafuatilia mambo haya. Unaweza kutuambia dossier utapeleka kwa assemblée provinciale? Ndio, tutapeleka kwenye assemblée provinciale hata kwa governor wa jimbo ili mambo haya kabisa apate kuna namna kuyamaliza. Bon, aujourd'hui nous sommes en train de manifester notre mécontentement. Ici nous sommes avec la population qui est déçue. En fait, c'est une population qui est en train de présenter sa déception. Nous avons besoin de la sécurité. Donc ce cas d'incursion n'est pas le premier cas. Il y a eu d'autres cas, il y a eu des personnes qui ont été tuées, il y a eu d'autres personnes qui ont été kidnappées, et jusqu'à maintenant, ces personnes ont été emportées, disparues. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de suite. Nous demandons au gouvernement de faire la recherche la plus vite et de montrer à ce que le gouvernement est quand même fort. Parce que les personnes qui ont été kidnappées aujourd'hui, d'autres ont été kidnappés hier, les autres avant-hier. Et sinon, on restera toujours comme ça. Nous devons demander au gouvernement de veiller à notre sécurité. Pardon? Nous allons à la morgue, de Sebeka Virunga. Nous allons déposer le corps à la morgue de Sebeka Virunga. Merci. Jamson, mieux que Deborah. Deborah, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Nasema hapa ubuene kwanza sana washatuzoea. Wanatuletea sasa bakutuchunga oro bale bakutuchunga tena njo bakutuua. Ya kwanza shie buene njo bashaona kama shie njo ba maimbwa. Shie njo bakukia letea fujo kila siku. Hakuna sema maki kubwa wanasema wanatuchunga tena bote na njoo bakutua. Hakuna kusema sasa pale wanatuchunga. Sisi tunasema basilete hakuna tena vya kuchungana, tuishi shie peke. Tuishi uchunge shie peke. Maki aseme maki asheba banande shie banande njoo bakuua 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 sama nyama. Hatuko watu tena maki tuko banyama. Hakuna zikwa nyingine kabila nyingine takuna. Sisi serikali tunaiomba banande batuachie uhuru. C'est pas la TV et y est na makambu ya sikali zuzu. Wo ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. Wo ngomona makambu ya politique ya sika. Wo parti AA ezana kati. Wo parti BB. Wo CFAIO ezana kati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme il y a un bouquet boy, au tien à poche, au voyage, dans le partout, lingi. Na bouquet, c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisson, on a mis ma bisson, on a 4K. Machine, ma daka daka. C'est pas la TV. Bienvenue dans le monde CP la TV. CP la TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Pia tumemsibu na governor ili atusaidie tupeleke maiti kwenye morgue ili baada ya hapo waende mahali ambapo watazikwa kwao. Wanasema kwamba ni mtu wa kiwanja baada ya kumutia kwenye morgue tutaona namna ya kumrudisha kwao ambao kwenye alitoka ni kiwanja. Watu ngapi wameuawa? Ma information tunazo, wanasema kwamba kumeuawa watu wawili na wengine wamebebwa porini. Alafu tutafuatilia kuona namna ya ku
oh na wale majambazi kama ni wanani na wale watu wamebeba wapi uko mchaguliwa ni message gani ya espoir ambayo unaweza tumia population ambayo ilikuchagua message ya espoir kwanza ni kusema pole kwa ajili ya wale ambao wanawapata pole pole sana kwa jamaa ambazo zimepoteza watu na tunasema wakue calme sisi sawa chaguliwa wao wagoma tuta